Salut à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de ce mode carrière sur FIFA 16 avec l'équipe de Notts County. On vient de se qualifier, hein. Bon, je vais pas dire miraculeusement, mais difficilement en tout cas face à Crystal Palace pour les demi-finales de Capital One Cup, ce qui est très très au-dessus de nos objectifs. Et d'ailleurs, on va en profiter pour faire une petite demande, hop, c'est pas là, demande de fond. À notre club, parce que coupe atteindre les demi-finales, c'était carrément inespéré. On va tenter 3 millions. C'est pour notre niveau, c'est impensable, mais bon, on peut le tenter. Alors, j'espère que le niveau du micro sera un peu meilleur que la dernière fois. Je vous cache pas que j'ai parlé beaucoup trop près du micro. Là, je pense que ça ira un petit peu mieux. On tente 3 millions. S'ils nous disent de nous faire foutre, bon, j'ai envie de dire que ce sera de bonne guerre. On va s'occuper déjà de ce petit match des familles contre Hartlepool. On risque de perdre un joueur, là on va voir qui c'est. Alors rapport final. Risque de perdre un joueur, c'est Roy Carroll. Ah oui, Roy Carroll, qu'on adore, hein, qu'on n'a pas du tout envie de perdre, mais malheureusement, ah ben déjà, salaire jugé trop faible. En fait, tout simplement, il nous demande 15 000, donc c'est très très au-dessus de ce qu'on peut lâcher, hein, même si c'est un excellent gardien, spécialement pour notre niveau. Donc du coup, on risque effectivement de le perdre, l'ami Roy Carroll. Et je crains que dans les jeunes, on n'ait pas grand-chose. C'est pas là. Hop. On n'a pas de gardien. Hein. Non, on n'a pas de gardien. Un autre truc qu'on va changer dans les nouveaux épisodes, c'est que je vais faire les entraînements à la main, parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup plus que les entraînements qu'on peut faire en aléatoire. 22e journée, on a 10 points d'avance sur Luton Town, qui a dû faire un match nul lors de l'épisode, enfin lors de leur dernier match. Je pense que c'est le genre de choses d'ailleurs qu'on peut voir. Hop là, Luton Town, je les vois pas. Hop. Ah, il y en a des matchs, hein, dans ce mois de décembre, c'est vraiment c'est pas un mois petit bras. Luton Town 1-1 contre Portsmouth, qui est aussi un adversaire qui me semble bien placé, 5ème, donc c'est tout bénef pour nous. On a juste à faire, enfin juste entre guillemets, à faire un résultat contre cette équipe, pardon, d'Hartlepool. Encore dans l'excitation de leur petit exploit, de leur gros exploit même, contre l'équipe de Crystal Palace, Notts County se déplaçait au Victoria Park d'Hartlepool dans l'optique de consolider sa place de premier au classement, d'autant plus que Luton Town restait sur un triste résultat, un match nul un partout face à une belle équipe de Portsmouth que l'équipe de Notts County avait déjà rencontré par deux fois lors de cette saison de 2015-2016. Hartlepool avec dans les cages Carson, une défense Carroll, Harrison, Bates, Richards, milieu terrain Walker, Featherstone, Woods, et en attaque Bingham, Fenwick associé à Oyenuga. Du côté de l'équipe de Notts County à présent, Roy Carroll bien évidemment dans les buts, de défense Ewitt, Bennett, Edwards, Jianzi Peng, au milieu de terrain Nicky Rowe associé à Gisvert et Alan Smith, Alan Campbell seul en pointe avec Ayerst et Ayo Junmin sur les côtés. Grosse équipe, hein, à l'extérieur, Notts County qui avait gagné 8 fois déjà contre une seule victoire à domicile pour Hartlepool. Notts County plutôt favori donc avant le coup d'envoi. Et dès la 8ème minute, ce sont les joueurs d'Hartlepool qu'on va retrouver avec Bates qui renvoie derrière, qui remet sur Richards qui remet sur Bates à nouveau. On joue derrière tranquillement. Featherstone qui récupère le ballon. Là-bas, le ballon dans les pieds de Woods pour Fenwick dans la course pour Walker. La belle frappe et la transversale qui sauve Roy Carroll. Début de match à 100 à l'heure des joueurs d'Hartlepool. 27 minutes de jeu à présent avec Carroll qui perd le ballon. La touche à suivre pour les joueurs de Notts County. Ewitt qui remet sur Gilles Zwert. Zwert avec Nicky Rowe qui tente dans la profondeur, le ballon est perdu, c'est récupéré par Featherstone qui remet sur Fenwick qui déborde côté droit, qui remet sur Walker, la frappe de Walker et la belle parade une nouvelle fois de Roy Carroll, une nouvelle fois très bon en ce début de match. Grosse frappe, hein, de la part de Fenwick, mais Roy Carroll était bien placé sur la trajectoire et c'est Featherstone qui va se charger de tirer ce corner. Le corner de Featherstone, c'est pour la tête de Walker. La sortie complètement ratée, pour une fois, a-t-on envie de dire, de Roy Carroll. Et l'ouverture du score pour les joueurs d'Hartlepool. Petite surprise, hein, même si on jouait à Hartlepool. On voit la sortie, hein, des deux points qui est complètement ratée.
et le joueur d'Hartlepool qui prend le meilleur sur et bien sur tout le monde hein, tout simplement. Et le pauvre John Zipeng qui n'est clairement pas en mesure de dégager le ballon. Joli but de Walker, tout en puissance. Et ça fait 1-0 pour les locaux, le cinquième but de Brad Walker en football. League 2, 40e minute de jeu avec Carroll sur son côté gauche qui remet à Carson. Carson, la passe pour Featherstone. Featherstone pour Oyenuga. Oyenuga avec Fenwick à nouveau. On a beaucoup vu les joueurs d'Hartlepool, beaucoup moins ceux de Noscanti. Et là, un très vilain tacle de la part de Nicky Rowe, l'arbitre, qui lui offre un carton jaune pour le récompenser. Rien ne va plus du côté des Magpies. Grosse difficulté dans cette première mi-temps face à une équipe d'Hartlepool mal classée et pourtant très joueuse. Il va y avoir un coup franc à suivre évidemment pour les joueurs d'Hartlepool. Allez, 44e minute. Le coup franc à suivre. Un coup franc qui va être tiré par Harrison. Harrison, la petite passe pour Walker. On prend pas de risque, ça revient sur Richards pour Featherstone. Featherstone avec Oyenuga, c'est un peu raté, mais il parvient tout de même à remettre le ballon. Le ballon qui revient dans les pieds de Featherstone. Featherstone face à Svert. Featherstone qui se retourne, qui remet sur Oyenuga. Oyenuga, un crochet, deux crochets, il accélère. La frappe d'Oyenuga et cette fois-ci, Roy Carroll est absolument impeccable et il valait mieux hein, parce que c'était vraiment une très chaude occasion pour les joueurs d'Hartlepool. C'était quasiment... Bon, c'est une balle de 2-0 hein, tout simplement. Et la main ferme, la main gauche ferme de Roy Carroll qui offre un nouveau corner aux joueurs d'Hartlepool. Un nouveau corner tiré par Featherstone pour la tête de Fenwick une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, Roy Carroll qui s'interpose, qui renvoie dans les pieds de John Zipeng. La transversale pour Alan Smith et l'arbitre qui siffle à la mi-temps. Une mi-temps sifflée sur une première période franchement difficile hein, pour les joueurs de Noscanti, malgré un bon match hein, une nouvelle fois de Roy Carroll. Les joueurs de Noscanti qui ont souffert et qui ont fini par craquer. La faute à Walker à la 29e minute. 1-0 donc à la mi-temps. Petite surprise pour Hartlepool face au leader de la Ligue 2, Noscanti. Deuxième mi-temps à présent avec la 57e minute de jeu. Pardon. Walker qui remet sur Richards, transversal. Richards qui rejoue avec Oyenuga, la passe derrière, c'est touché, ça revient dans les pieds d'Alan Smith qui remet sur Gilles Svert, Svert dans la course pour Ayerst, Ayerst qui a vu Adam Campbell, la passe dans la profondeur pour Adam Campbell, la frappe d'Adam Campbell et l'égalisation sur quasiment la première occasion des joueurs de Noscanti qu'on n'avait pas vraiment vu et une nouvelle fois Adam Campbell impérial hein, dans cette Football League 2 depuis le début de la saison qui remet son équipe sur les rails et la passe superbe, hein, véritablement, de Ayerst, qui voit le départ impeccable de Campbell. Campbell qui n'a plus qu'à ajuster le portier d'Hartlepool. Ça nous fait un partout après 60 minutes de jeu, quasiment à l'heure de jeu en tout cas. Belle frappe, hein, on la revoit d'un Adam Campbell en pleine confiance. Après un début de saison plutôt mitigé, le très jeune attaquant anglais, enfin tout jeune du moins attaquant anglais, qui inscrit là son 9e but en Football League 2, autant dire qu'il se rapproche des meilleurs buteurs de l'exercice en cours. 62 minutes de jeu à présent avec les joueurs d'Hartlepool que l'on retrouve avec Thomas. Thomas qui conserve le ballon. Thomas qui passe sur Richards. Richards à nouveau avec Woods. Woods sur Fenwick. Fenwick qui crochette, ça revient dans les pieds de Woods. Il conserve le ballon, les joueurs d'Hartlepool. Sur le côté avec Oyenuga, le centre d'Oyenuga, c'est pour Bingham, c'est repoussé, ça revient sur Carroll. Le ballon pour Aujunmin. Aujunmin avec Adam Campbell. Adam Campbell à nouveau pour Aujunmin, mais c'est perdu. Fenwick qui se retrouve en position favorable, la faute, l'arbitre qui ne dit rien. Le ballon à nouveau perdu, c'est pas glorieux hein, ce qu'ils font pour l'instant les joueurs de Noscanti. Le ballon à nouveau dans les pieds d'Oyenuga, mais la frappe qui est contrée, ça va donner un corner après un contrôle très moyen. Hein. On le revoit de Svert. Et c'est Jian Zipeng qui repousse ce ballon, ou du moins qui le détourne en corner. Un nouveau corner donc pour les joueurs d'Hartlepool, les joueurs d'Hartlepool qu'on aura vu vaillants hein, depuis le début de l'exercice. Et c'est Oyenuga cette fois-ci qui va tirer le corner. Pied droit, c'est pour la tête de Fenwick, c'est repoussé, ça revient sur Bingham, la grosse frappe et ça sort en corner. En 6 mètres, pardon, la frappe qui est complètement dévissée, la reprise de volée. C'était pas Bingham d'ailleurs, je vous dis des bêtises. Je crois que c'était Thompson, mais je suis pas sûr. 78e minute de jeu et la sortie de Scott Fenwick, remplacé par Billy Painter, mais également d'Adam Campbell, remplacé
par Isel MacLeod. Les rentrées également de Snyders et Kyle De Silva, l'homme décisif hein, ces derniers temps du côté de Noscanti, qui avait été laissé au repos dans ce très très gros mois de novembre pardon, pour les Magpies. 82e minute de jeu à présent avec John Zipeng qui récupère le ballon, qui remet sur Alan Smith. Alan Smith qui rejoue avec Gilles Svert. Svert pour Smith immédiatement sur Isel MacLeod, à nouveau sur Smith. Smith qui temporise, Smith qui tente la passe pour Aujoumin. Crochet d'Aujoumin, il se retrouve à s'infiltrer dans la surface. La frappe d'Aujoumin et le gardien qui se trouve complètement face au jeu rapide d'Aujoumin. La défense assombrée et Aujoumin qui a inscrit un but. Ah, on va pas dire qu'il est magnifique, hein, parce que faut bien reconnaître que le gardien se trouve complètement et que la frappe était vraiment pas terrible. Mais quel beau mouvement d'Aujoumin. Et je pense qu'elle est détournée par le dos ou l'épaule peut-être de Campbell. C'est peut-être qui surprend un petit peu le gardien. Ouais, elle est détournée du bras en fait. Et le gardien qui est surpris. Petit coup de chance là pour Aujoumin, faut bien le reconnaître. Toujours est-il que ça fait 2 buts à 1 à 5 minutes de la fin, troisième but en Football League 2 pour Aujoumin et les Magpies qui prennent l'avantage. 86e minute de jeu avec Carroll qui remet derrière sur Thomas. Thomas qui perd le ballon, ça revient sur MacLeod. MacLeod qui repasse avec Kyle De Silva. Kyle De Silva qui remet dans la course pour Alan Smith. Alan Smith qui tente de jouer dans la profondeur avec Snyder. Snyder côté gauche. Snyder qui crochette, qui s'infiltre. Snyder en position de frappe. Tente la frappe. Snyder s'est repoussé cette fois-ci par le portier d'Hartlepool. Le centre à suivre. Et malheureusement, le centre d'Aujoumin qui ne donnera rien. Bon retour, cela dit, de MacLeod. MacLeod qui récupère le ballon, mais qui le perd immédiatement. Après, on en restera là. Courte, courte mais précieuse victoire et ô combien difficile pour les joueurs de Noscanti. 2 buts à 1 donc sur le terrain d'Hartlepool, malgré une superbe prestation des joueurs d'Hartlepool. Les locaux qui s'inclinent donc. Et les Magpies qui continuent leur course en tête hein, du classement général. Hartlepool 1, Noscanti 2, but d'Aujoumin et Campbell contre un but de Walker. Oh bordel les enfants, ça n'a pas été facile comme match hein. Vous le voyez au niveau des statistiques. On a augmenté la difficulté. On commence à très sérieusement le sentir. Hartlepool, ils ont fait un gros match. On s'en tire pas mal du tout avec cette victoire. Très sincèrement, un match nul aurait pas été démérité. Alors on a fait un bon match hein, quand même, faut pas déconner. Ils ont eu beaucoup d'occasions assez moyennasses, on va dire. Mais il n'empêche qu'on s'en tire assez bien avec ce match nul, un but d'Aujoumin, hein, ça nous manquait, un petit but d'Adam Campbell qui n'en finit plus d'exciter le classement des buteurs. Une passe d'Alan Smith, une passe de Weyers, c'était pas mal du tout ce qui s'est passé, et 16 passes réussies par Alan Smith. Je vous cache pas que je joue très sécure, c'est peut-être un peu exagéré, mais je joue très très sérieux en tout cas, et j'essaye d'assurer en défense. Ce qui, pour une fois, dans un jeu de foot, n'est pas forcément ma spécialité. Mais ça envoie du petit bois. Hein. Sérieusement, là, le mode champion, je commence vraiment à le sentir. Leyton Orient a perdu face à Morecambe. Ils n'ont pas su profiter du match nul de Luton Town. Du coup, c'est Morecambe qui en profite et qui regrappit quelques places. On va presque en rester là, dans la mesure où on va jeter un coup d'œil au tableau pour commencer. Donc après 22 journées, on est toujours premier hein, avec 13 points d'avance désormais sur Luton Town, c'est la balade. Mais putain que ce match face à Hartlepool fut dur. Hartlepool 18ème hein, de League 2. Donc voilà, c'est pas non plus l'adversaire le plus dangereux qu'on aurait pu rencontrer. Et pourtant, Dieu sait que ça n'a pas été forcément le match le plus facile de la saison. Ça promet pour tout simplement les hop là, ça je voulais pas le faire, qu'est-ce que j'ai foutu, bordel là. Non, ça promet pour les matchs à venir. Alors prochain épisode, ce sera le 16ème et ce sera un match contre Crawley Town.
Match. Bon, on a de l'avance hein, quand même. Le match prochain, ce sera la mi-saison en fait. Ce sera le 23e. On est assuré d'être champion d'automne. Youpa la youpi. On pourrait même dépasser les 100 points si on continue sur ce rythme. On va simplement s'occuper de la progression des joueurs. Puisque, pour ceux qui suivent Two Guys One Cup, on a noté que ça montait beaucoup plus vite quand on faisait les exercices. Donc, du coup. Bah à partir de maintenant, je vais les faire, les petits exercices avec Magellan, avec Torsby. Peut-être je vais faire bosser le petit Campbell aussi. D'ailleurs, je vais faire bosser le petit Campbell. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Finition, il est bien. Dribble, il est comment? Dribble, il est pas mal, mais il est pas extraordinaire. Est-ce qu'on a un truc qui ferait travailler le placement offensif? Tête et reprise de volée, ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal. Création d'occasion, ouais, ça va être tête et reprise de volée pour l'ami Campbell. On va faire travailler Torsby. Torsby qui part de très très bas. Finition. Ouais, ça va être finition de près pour Torsby. L'ami Magellan qui est bien bien au-dessus. Lui, on va lui faire bosser. Et bah, la finition aussi parce que c'est pas génial. Tir précis, j'ai peur que ce soit un peu difficile pour lui. Les ballons piqués, c'est la même chose. Ça, ce serait pas mal quand même. Allez, on va tenter ça. Création d'occasion. Qui on a d'autre dans l'équipe de jeunes? Jorgensen, 18 ans, pied gauche, milieu offensif. Est-ce qu'on a un petit quelque chose sur les passes à lui faire travailler à lui, tiens? Oh là 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 là. Ah oui, ça part de très 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 bas quand même. Ça part de très très bas. Passe en profondeur pour lui. Et. On va essayer de faire travailler. Ah mais non, c'est Jorgensen déjà ça. Ah, on a personne qui ait du potentiel. Et ben du coup, j'ai bien envie de travailler les coups francs avec la Minoble qui a 24 ans, qui a pas un potentiel de fou, mais qui est déjà très bon au coup franc. Ce serait dommage de pas en profiter. On commence l'entraînement, vous pouvez quitter à partir d'ici hein, bien entendu. Il y aura plus de match, l'épisode est grosso modo terminé, je vais juste faire les entraînements. Histoire de faire progresser un peu mes joueurs. Alors le micro est un petit peu plus loin de ma bouche, mais il y a quand même moyen de faire. Normalement vous devez à peu près m'entendre. Hein. Oh putain, bah ça commence bien pour le pauvre Campbell. Voilà, ça c'est bon. Bien entendu l'idée c'est d'avoir des hâtes partout. Hein, mais c'est vrai qu'il part de très très loin le petit Campbell. Hop, au ras du sol. Oh putain, qu'est-ce que c'était mauvais. Oh, mon dieu. Oh là là, quelle horreur. Allez. Mais qu'il est con. Oh putain. Ah, on galère moins avec la balle, hein, je vous le dis. Allez, encore 4 essais. Allez, c'est pas mal. Ouais, ça va pas être dû à ça. Ça va clairement pas être dû à. Oh, c'était pas mal ça. C'était pas mal. Allez. Voilà. C'est toujours ça le prix. Encore un petit. Et ça nous fera. Aïe aïe aïe, ça reste en B. On va réessayer. On va réessayer parce que je pense vraiment qu'on peut faire mieux que ça. Allez. Voilà, ça c'est mieux. Au ras du sol, tranquille. On prend pas de risque sur celle-là. Très bien. On part sur une bonne base là. On part sur une bonne base. Hop, ouais, ça passe. Ça passe quand même. Ouh, on a eu chaud. Hein. On a eu chaud sur celle-là. La belle reprise. Allez, le sans faute. Très bien, pas de raison de faire le fou. Hop là, voilà, allez là le A il est carrément assuré. Bim. Bon, il reste encore deux essais, je suis déjà en A. Aucune raison de se quitter. Et bim. Voilà, 13 899 avec le bonus, ça fait 14 375. On peut passer au joueur suivant avec l'ami Campbell. Finition de prêt pour Mathias Thursby. Allez, allez. Ok. Pas mal. Même bien plutôt en fait. Ok. Ça passe. Très bien. Parfait. On est toujours bon. Allez, c'est un aussi. Joueur suivant. Ah bah c'est plus efficace. Création d'occasion, donc là le A va être difficile à avoir. Hein.
On va pas se mentir parce que ça c'est très 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 difficile. Je l'ai fait deux ou trois fois. C'est du lourd, hein. C'est du lourd. Allez. Elle est pas mal, pas mal. Et elle est belle. Ah, ma géant, il est un peu tout seul là, malheureusement. Ah, il est complètement tout seul, le pauvre ma géant. Oh! 300 points. Bon, bah, c'est toujours. On va dire que c'est toujours ça de prix. Oh merde, ça c'était très très mal joué. Allez, c'est pas mal. Et bim! Ouh, il était beau celui-là. Il était beau, il était bien pensé. Tranquille, allez. Oh putain, c'est vrai que c'est. Ça va très très vite, bordel! Oh putain, dur. Ah putain, mais ça, ils enchaînent trop vite. Ils enchaînent trop vite, je suis pas prêt psychologiquement là, ça. Ça le fait pas à chaque fois. Oh là 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 là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Allez, cadre, 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 c'est bien. Allez. Oh putain, mais c'est pas vrai, je me fais bouffer à chaque fois. Non! Oh putain. Et merde. Oh non, elle est pas cadrée. Oh putain, mais qu'est-ce que c'était mauvais comme passe. Oh là là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah non, ça c'est pas bon non plus. Allez, allez, tu l'as! Putain, c'est pas vrai. Oh, mais non, mais c'est nul ça, putain! C'est quoi ce 3 contre 1 là? Ils se foutent de ma gueule quoi? Il me faut jouer un 3 contre 1 avec Magellan? Ouh, bah c'est pas si mal ce qu'on a fait. Allez, accélère, accélère, accélère. Merde. Ah putain! Oui! Bien joué! Oh merde, putain, ils enchaînent trop vite, ils devraient nous laisser un peu de temps là. Putain de ta race. Oh là là, c'est pas bon. Des. On va réessayer quand même, on va réessayer. Oh, la faute. Allez, 500 points, c'est toujours ça de prix. Hop. Ouh, elle était belle la frappe, elle était belle, mais ça suffira pas. Ah, là aussi, elle était belle, mais ça suffira pas, putain. Oh là 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 là, allez, allez, allez! Putain, je perds la balle, je perds la balle. Allez, allez, arrache-toi, arrache-toi, putain! J'ai quand même récupéré des points, alors je sais pas pourquoi exactement, mais j'ai récupéré des points. Oh, c'est bon ça, allez, pof! Oh non, ça va aller dedans, putain, j'ai eu peur les enfants. Allez, elle est dedans aussi. 5900. Mais putain, reste pas sur moi, espèce de con. Bien joué, ça. Très bel enchaînement. Oh putain, bel arrêt de Carole qui nous a un peu foutu dans la merde. On va pas prendre de risque, on va tenter la frappe. C'est raté, c'est contré, mais ça revient sur moi. Du coup, j'ai une deuxième chance. Oh, faute, 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 faute. Et merde, putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Allez. Oh, belle parade de Carole encore une fois. Elle est belle. Allez, elle est belle. Oh putain, ça part de loin là. Oh putain! Ah, on lui fait pas. On la lui fait pas, ce proquel. Non! Mais qu'est-ce que c'est que cette passe dégueulasse qu'il nous a faite là? Ouh la barre qui le sauve, l'enculé! Et merde, putain! C'est un peu pérave ça, hein, quand même. On va pas se mentir. Allez, on a un 3 contre 1 joué. Non, mais pas lui, espèce de glandu! Oh là là, putain. C'est. Allez, on accepte. Passe en profondeur pour Martin Jorgensen. Ouais, j'ai accepté un C, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte, vous pouvez le dire, j'ai un peu honte. Mais j'ai vraiment du mal sur cet exercice. Je tenterai peut-être quelque chose de moins difficile la prochaine fois avec lui. Allez, Martin Jorgensen qui part de très 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 bas. Bien, non, pas bien. Putain, mais quel con, il pouvait pas se bouger le cul un peu de Sylvain. Ok, c'est reparti. Allez, deuxième chance. Allez,
Ah oui, donc en fait, non, non, en fait, ils sont tous un peu fainéants sur les bords, mes joueurs, d'accord. Ben, c'est bon à savoir, je veux dire. Allez, elle est belle. Voilà, c'est bien. Allez, allez, Sniders. Toi, tu cours vite, je le sais. Oh putain, je la rate! Oh non, c'est un B. On réessaye. On réessaye parce que bon, ça me fait chier d'avoir un B sur cet exercice. Et putain, bah je commence bien, tiens. Ah, ok, alors on va essayer de l'attendre. Hop, hop, hop. Allez, voilà, celle-là était parfaite. Bon, il la met quand même dans les mains de Carole, mais elle était parfaite. Ok. Ah non, mais putain, mais frappe là, espèce de gros con! Fait chier ça. Enfin, au mieux ça va faire un B tout ça. Bah ça va même pas faire un B d'ailleurs, ça va faire un mauvais C dégueulasse. Ou putain ça fait un D. Oui on va pas accepter un D sur cet exercice, c'est pas possible. Allez! Ouais c'est bien. Allez, allez! Ah putain il la prend après le con. Bah c'est bien t'as marqué connard. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Hop! Mais putain, pourquoi il arrête d'accélérer? C'est abruti! C'est incroyable ça! Bon, si j'ai un B, je vous le dis, les enfants, j'accepte, hein. Oh putain, ça va pas faire un B ça. Oh là là! Bon, allez, dernière chance, les enfants. Ah, ça c'était bien. Allez, allez! Ah putain, il la prend après le con. Bon, c'est toujours ça. Oh, j'ai peur de le regretter, le B que j'ai refusé. Oh non, mais il arrête d'accélérer! Bon, j'ai quand même un B. J'ai quand même un B. Les dégâts sont par conséquent limités. Coup franc enroulé avec l'ami Liam Noble qui est déjà très 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 fort au coup franc. Oui, je fais un peu tirer avec, avec Liam Noble. Vous savez que j'aime les coups francs et que ça me fait chier de pas en mettre. Donc, du coup. Du coup, on va travailler ça. On a travaillé ça d'ailleurs, hein, pour rien vous cacher déjà. Mais c'était avec un gaucher. Du coup, on va essayer de pas se manquer. Ouais, ça rentre, mais c'était pas terrible quand même. Ok. Ah, est-ce que c'est un peu. Eh oui, c'était un peu osé. Dans mon cul. Ok. Allez, ça c'est filoche. On va essayer de se rattraper un petit peu. Hop là. Voilà, c'est assez dedans et c'est plutôt pas mal de points. Elle est pas mal, elle est pas mal. Oh putain! Ah non, c'est moche. C'est moche. Celle-là, elle est bien enroulée. Allez, ça fait filoche. Putain, j'aurais même pas de l'avoir raté. Allez, on retente. Bien enroulé. Oh putain, c'est pas vrai. Oh non, c'est dur, les mecs, c'est dur là. Ok, il ne me reste qu'un essai. Ça va pas suffire à moins que je fasse un poteau rentrant. Ouh, elle est dure. Non, 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 j'ai complètement foiré cette séance de coup franc. On réessaye bien entendu. Pas question d'accepter ça. Allez, c'est bon. Hop. Oui, le bonus poteau, ça fait plaisir. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ouais, très bien, très très bien. Allez. Hop, pas trop forte, bien enroulée. Celle-là, elle est pas mal aussi. Oh, oui, elle est rentrée avec un bonus. Allez, on a déjà le A, il nous reste 3 essais. Je peux péter mon record, les enfants. Je peux péter mon record, j'ai jamais passé les 10 000. J'ai encore une chance de le faire. Bah, on va essayer, ce serait bien quand même. Un petit record en direct. Voilà. Allez, il me reste 2 essais. Il suffit que j'en mette un des deux. Et on est bon. Oh, elle est un peu faible celle-là. Elle passe quand même. Allez. Record. Nouveau record sur cet exercice. Et pour la beauté du sport, le petit dernier. Ouh, qui rentre avec le poteau. Et ben les enfants, j'ai fait un putain d'exercice presque. Non, 11 197. C'est pas mal. On va pas réessayer. On va en rester là. A-A-C-B-A. Franchement, pas mal. Pas mal les gars ce que vous nous avez fait. Thursby qui monte niveau 51.
Bien, allez, on va en rester là hein, pour cet épisode. C'était le 15e. C'était le 15e, effectivement. Prochain épisode avec un petit match de championnat contre Crawley Town. Les joueurs auront eu du temps pour se reposer. Mais vous le voyez, il y a le 26, le match contre Crawley Town. Et derrière, 2 jours plus tard, le match contre York. Il va falloir faire des choix. On va réfléchir à quel match faire tourner. Et ne pas oublier que derrière, on a un mois de janvier hyper chargé. Et le mois de janvier, c'est également le mois des transferts. On va tâcher de ne pas l'oublier. Je ferai peut-être un épisode spécial pour le premier sur quel joueur je compte ou ne pas prendre. Allez, à très vite. Pour le 10... non, le 16e du coup, le 16e épisode de ce mode carrière avec l'équipe de Noscanti. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai un peu mieux géré le micro que la dernière fois. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.